Bon automne. Bon automne. Bon automne 2021. Et tiens, devinez quoi? On va retrouver France Musique, Lionel Esparza, puis on va vous parler de Jean-Paul Belmondo et des numéros icônes pour ne pas changer. Si on change, c'est l'automne. À bientôt les Vierges, à bientôt l'été. Mais vous voyez, avec Camille Saint-Saëns, née sous le signe de la Balance, on commence bien. Puis à Édouard Lalot et Max Brour, c'était avec Pierre Fournier, deux concertos pour violoncelle. Avec l'aristocrate du violoncelle chez Deutsche Grammophon, sous la direction de Jean Martinon, avec l'orchestre L'Amoureux. Et aujourd'hui, on vous recommande aussi Scarlatti, je crois que ça va plaire à quelqu'un, dans le Van Beethoven. Le jazz avec déjà Gatto Barbieri ou Ray Charles, un des anniversaires à venir. Et toujours Anna Netrebko, dont on célébrait les 50 ans il y a quelques jours, sous le signe de la Vierge. Alors ça y est, on est en balance. Bon anniversaire à toutes les natives et natifs du 22 septembre. Tous les chemins mènent à Jean-Paul Belmondo avec Anna Karina. Il y a également Eric van Stroheim dans les anniversaires, Yvette Horner, Andrea Bocelli, Benoît Poelvoord, François-Xavier de Maison, Ronaldo Martin Solvay et également Tom Felton plus Cœur de Pirate. Allez, Jean-Paul Belmondo, bien sûr, ici. Pourquoi t'as l'air triste? Parce que tu me parles avec tes mots, que moi je te regarde avec tes sentiments. Anna Karina face à Jean-Paul Belmondo, Pierre Oulfou chez Jean-Luc Godard. Et ici, Jean Renoir, Jean Gabin et Eric von Stroheim, grand réalisateur, mais également grand acteur. Il faut retrouver, bien sûr, il nous faut un volontaire pour expérimenter une brigade mobile. Le sens du grand écart, puisque là, c'est chez Danny Boone. Avec Benoît Poelvoord, c'est Rien à déclarer. On l'avait vu au Marcy hier face à François Cluzet. C'est vrai qu'il a l'air sympa. Là, c'est François-Xavier de Maison. Allez, Cœur de Pirate. Avec Julien Doré pour Un Infidèle. Cœur de Pirate, l'album, c'est ici. Rien à déclarer, le DVD, c'est là. Tous les chemins mènent à Ennio Morricone, vous voulez la preuve? Et voilà. Andrea Bocelli chante Cinéma Paradiso. Et moi, je vous dis à demain. À demain.